CNR de coup de tonnerre winde ga commentaire yi wadé kër gi ni par ko woné arde wol gollo ko mbé na ta joni ka di coup gol page Mandela wadé kër gi ni ka féré né Gambia kwa sa kiti la no du gol joni wo yaltu yaltu mi yalti ala wadé kër gi dum ka féré né Gambia malaay de malaay gol go kër gi ma di voilà donc CNR de panique totale panique totale, coup de foudre, panique totale au CNRD. Avant tout d'abord, je remercie infiniment le président Assimi Goïta, le président de la transition de Mali, Assimi Goïta. Merci beaucoup, on est fiers de toi. Comme disait le professeur, Abdulmazid, le professeur Abdulmazid, comme il dit, il aime dire tout le temps dans ses lives, dans ses directs, il dit « Nul n'est sourd au monde, sauf celui qui ne veut pas écouter et apprendre. » J'ai appris ça du professeur Abdulmazid, le Congolais, de l'islam là. C'est un grand professeur de l'islam et français. Et voilà, un grand professeur de franco-arabe, Abdulmazid. Il est d'origine de Congo. C'est un grand intellectuel, un grand intellectuel en français et aussi dans l'islam. Donc ça c'est le mot de Abdulmazid qu'il aime dire tout le temps. Nul n'est sourd au monde sauf celui qui ne veut pas écouter et apprendre. J'ai dit encore, je remercie infiniment le président Assimi Goïta, le président de la transition, parce que nous, quand on vient faire nos directs ici, là, nos lives, là, j'ai tout le temps dit, j'ai beaucoup de respect pour Assimi Goïta. Assimi Goïta a fait beaucoup de changements en Afrique de l'Ouest. J'ai tout le temps dit dans mes vidéos, si vous voyez aujourd'hui qu'un président africain, un président noir de l'Afrique de l'Ouest, là, peut s'arrêter dire à Emmanuel Macron, non, au président des Américains, non, là, j'ai dit, on doit pas être ingrat. Ce côté pour Assimi Goïta, là. C'est grâce à Assimi Goïta, son courage. Mais, Assimi Goïta est intellectuel. Assimi Goïta n'est pas égal à Doumbouya. Ibrahim Traoré, c'est un intellectuel. Tiani de Niger, vous êtes des intellectuels. Donc, tout le temps, on sort ici, on vous dit, c'est une question de légitimité. C'est une question de légitimité. Vous n'êtes pas légitime au pouvoir. Mais c'est ça que j'ai dit là. Assimi Goïta, vous avez entendu Conseil des ministres hier, Mder Malion, le mercredi. On n'a ni déclaration Assimi Goïta encore. On n'a ni la première déclaration d'Assimi Goïta. Ils ont dit, Premier ministre Guillaume Itado Choguel Maïga, au remplace de Choguel Maïga, c'est un ancien militaire. Mais on, Guillaume Itado, gouvernement comme Premier ministre, Assimi Goïta a fait des coups d'état en Kanko Tawanoka. C'est un homme sûr, un homme honnête et sincère. En famille. Donc, quand Assimi Goïta était Johnny nommé Premier ministre, de forme de Nika du gouvernement. Mais, il y a des gens qui ont été de l'État, des ministres de l'État, des ministres de l'État, des ministres Emmanuel Macron et Joe Biden et Lamino. Groupe Nafigi. Nafigi, oui. Donald Trump Paris, Ohali, Oiniso Jodi que janvier do. Kala pays ka coup d'état wada Afrique wo, ko population on vota ta jodi na président mon. Mais wala non do hali wada la balle di balle tatika. Assimi Goïta, Conseil des ministres Mali, et mercredi o yalti o déclaré hier soir dans l'enfant. Oini premier ministre on yo mobilise même yo mobilise même ben faux. Lando nécessaire financement ko honno wadirte o organisa élection présidentielle libre et transparente. Assimi Goïta eni wo wonata candidat. Hay goto kala wondo e der gouvernement mako wo kadi wonata candidat. Men halanion. Donc gila Assimi Goïta woli dun conseil des ministres. Mamadi Doumbouya fetino. Atime Alani, Mamadi Doumbouya est un bandit. Mamadi Doumbouya est un délinquant expérimenté. Parce que Mamadi Doumbouya, plan qui m'a dit une fois, non. Mais il y a un nom d'une fois. Quand nous avons dit, quand nous avons dit, quand nous avons dit, quand nous avons dit,
Oyara wanyari rukanko kadi ojoka trasu nko asimi goita. Baino asimi goita wadi anki mashari ya rekiti anki. Onyi wanani mamadi dumbu ya maladi. Onyi conseil de ministre, onyi yeso mamadi dumbu ya ngokan. Vous avez vu son visage non? Il fait pitié, il est désespéré. Il ne sait pas où il est même. Ça dit, le pouvoir l'a dépassé même. Parce que quand on dit aux gens là, vous ne pouvez pas venir braquer un pays comme ça là. Vous allez vous asseoir. Vous allez utiliser un système de la xénophobie ethnique, pour dire que vous allez vous cramponner au pouvoir là. Nous sommes en plein 21e siècle. Ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher. Donc, quand je disais aux gens là, laissez le Mamadi Doumbouya dépenser de l'argent, laissez lui faire campagne. Mamadi Doumbouya, je vous ai dit, haïbe innimo, que les Indiens l'ont demandé de faire des sacrifices de 50 vaches rouges là. Mamadi Doumbouya ne sera pas capable de nous dire qu'il sera président aux élections présidentielles. Je vous dis ça là. Je mets n'importe quelle personne au défi. Mamadi Doumbouya, il ne sait pas parce qu'il ne connaît pas ce qu'il fait. Il sait que c'est impossible. Il ne peut pas venir ici le 5 septembre, il fait un coup d'État. Où il accusait Alpha Condé qu'Alpha Condé a violé l'article 27 de la Constitution de 2010, le 10 mai ou c'est le 7 mai de 2010 là, qu'Alpha Condé n'a pas respecté ça. Et lui, il vient, il fait le coup d'État, il tue plus de 250 morts. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît même pas où se retrouvent les corps là. Donc déjà, il doit avoir des procès pénals, crimes contre l'humanité. La façon dont il a jugé les dadistes, il nous a dit qu'ils ne vont pas répéter les erreurs du passé. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont dépassé même les erreurs du passé de la junte de Capitaine Moussa Dadis Camara. Quand les petits, c'est comme ça que je vous appelle, les petits crespilés mentaux, ethno-malinqués là, qui veulent tout le temps, qui pensent que le pouvoir en Guinée, il faut manicatiser le pouvoir en République de Guinée. Hé, hey, Namoufa Malandé, c'est fini. Le temps là est mort. C'est ce que j'ai dit aux gens. J'ai dit, calmez-vous. La différence entre la Guinée, Burkina, Mali, Niger là, les gens, non, ils font semblant de ne pas aller à l'école. Quand ça les arrange pas, ils font semblant de ne pas aller à l'école. Mais vous allez lire le 31 décembre 2024. Donc, ben, t'as qui pas, j'en connais, minata de, ouah, des cœurs, j'ai dit. On a dit, où les hackers, c'est d'accord, y'a-t-il un monde, argol, y'en a information. Cœur, j'ai dit, qu'au téléphone, on t'en j'ai dit, aïe, bata, quoi, on t'a pour tout, madame. Cœur, j'ai dit. On y de foutre, que, attaque, gol, pas, j'en connais, fille, le coupe. Kapere nengambi kwa nkari forsi la yuwadu la ifi ala. Mifala noko wade la mini la ronki. Inuda no fono habi la nieni. Jo no mi wadi ila wade la ifi. Vuzete nkapaba yuwadu gol care. Partaja. Mi na Facebook kwenye mintala. Moi je ne vis pas de Facebook. No. Moi je ne vis pas de Facebook. Kwa ino godo partaje mette le care. No. Kwa minata yuwadu care gini. Kofi itabeta kupazo. Ekupa kwa mwone wolde kwa. Oui, mais faut dire que wolu goltun tant benati betanti ka di kupu gol. Donc kapere nengambi wade sawadali kergi din tun anka di pate swisto sawadali kergi din tun mi penya le fop getu diamande la. Donc le problème mi halanio, les gens là ils font semblant d'être analphabète. L'arrogance le bon fils m'a rabolé dans Marala. Mamara, nous on t'écoute pas. Vous êtes désespéré. Vous êtes votre patron Doumbouya là, il ne dort plus. Il dort avec des cauchemars. Demandez Doumbouya pourquoi il ne dort pas. Il ne dort pas maintenant fixe au palais mon médecin. Pourquoi il saute, il se casse la nuit, il dort à Kassa, il quitte là-bas, il va à Fourekaria, il quitte là-bas, il dort vers 36, il quitte là-bas, il va aller se casser vers Kipe. Maintenant, il est en train de dire à sa famille même de quitter la Guinée, sa femme et ses enfants. Vous n'avez rien vu encore. Doumbouya sait qu'il est assis sur le feu. Donc, Doumbouya, je vous ai dit, c'est un malhonnête, c'est un ingrat. Doumbouya est un bandit. Vous vous rappelez du blogueur ivoirien là qui montrait la photo de Doumbouya là. Il disait, lui là, l'homme là, comme ce que Bandakani, le président Bandakani a dit, qu'est-ce que Doumbouya peut apporter à la Guinée? C'est les lunettes noires là.
qu'il porte comme ça, on dirait qu'il est en train de tourner des films de Arnold Schwarzenegger. Il porte les lunettes là, ou Rambo, Sylvester Stallone pour effrayer les gens. Petit, tu n'as rien compris encore. Bravo, il faut y jouer. Il joue si il se fait même quand. T'as calmement, a dit joue Jenny. Maman dit Doumbouya. A dit, vous avez payé des blogueurs ici là pour venir s'attaquer aux gens. L'association des insultologues des réseaux sociaux là, ils ont fait quoi? On est là. Les blogueurs sont là, les communicants sont là. Et les informations, on a gagné. On a gagné. Si le ministre de Doumbouya est sorti la semaine passée là, il dit que les blogueurs, les communicants là, sur les réseaux sociaux là, ouais, ils sont très très dangereux, qu'ils peuvent déstabiliser un pays. Qu'est-ce qui a fait gagner Donald Trump les élections? C'est la communication. Parlez là. Ils ont fermé les radios, ils pensaient qu'ils allaient réussir. Doumbouya, tu as fait trop d'erreurs. Et ça va te coûter de la quinine. Vous, les petits malinqués là, effrontés mental que vous êtes là, c'est-à-dire les gens qui n'ont aucune dignité humaine là, les escrocs de la nature là, les intellectuels de la sidaphonie là, les intellectuels de la sidaphonie là, les Makanera Kaké là, ce sidien intellectuel là, Makanera Kaké, un malhonnête, un ingratologue comme Makanera Kaké. Et puis, Makanera Kaké nous dit, celui qui n'a pas le bac, tu ne peux pas venir ici s'attaquer à moi. Mais Makanera Kaké, autant de faits généraux là, ça n'a compté. Jusqu'à aujourd'hui, le bac se paye en Guinée. Avant même, c'était 500 000. Je connais beaucoup de personnes qui ont acheté même le bac en Guinée. Beaucoup de personnes même, autant de faits généraux là, ça n'a compté. Quand ils me disaient ça là, je disais que c'était faux. Et ils partaient payer de l'argent. Il partait payer de l'argent aux gens. Et à l'époque, là, c'était l'autre, là, Khalifa Diallo. C'était Khalifa Diallo qui était. C'est lui, c'est Khalifa Diallo qui donnait. Vous vous rappelez de Khalifa Diallo, là, qui habitait au bloc de Prosser, là, Donka, au troisième étage ou au deuxième étage, là. À l'époque, c'est lui qui contrôlait les examens, c'est lui qui donnait, c'est-à-dire, la liste des questions, quelque chose comme ça, là. C'était Khalifa Diallo, oui. Il est long. Il avait, à l'époque, je le voyais tout le temps au bloc des professeurs là-bas. Donc, il a une taille de 1,90 m ou 1,87 m ou 86. Khalifa Diallo. Il était au bloc des professeurs. À l'époque là, je connaissais des gens qui faisaient le business de bac terminal jusqu'à Makanera. Quand il sort, et puis regardez, ce farfelu là, il vient s'inventer que lui là, qu'il a été à l'université. Makanera, tu es une honte pour cette nation. Tu es devenu une abomination pour les Guinéens. Tu n'as pas honte, tu n'as pas de dignité. Yo, tu viens parler même du Coran. Tu fais rentrer, c'est-à-dire la politique dans le Coran. Comme je voyais un imbécile là qui a écrit dans les commentaires là. Français même, il sait même pas écrire. Il vient me dire que. Écoutez même, je veux regarder même ce qu'il avait écrit là, cet imbécile de logo. Il me dit, voilà, où est son nom même? Comment il s'appelle là? Je ne sais pas, non, c'est ça, ce n'est pas son nom. Voilà, il me dit en français, là, regardez, il me dit en français, il ne sait même pas écrire. Il me dit rectification. Le Coran n'a pas créé. Il dit le Coran n'a pas créé. C'est ce qu'il dit en français. Le Coran n'a pas créé le Coran. A été révélé par le Jibril, l'ange Jibril. Si tu ne connais pas, c'est tout, hein, c'est le français. Donc je vais lui dire d'abord une création. La définition du mot création, c'est quoi? La définition du mot création en français, c'est quoi? Quand on dit quelqu'un a créé quelque chose, c'est quoi? Quand on dit quelqu'un a inventé quelque chose, c'est quoi? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Quelqu'un qui a inventé un avion et quelqu'un qui a fabriqué un avion, quelle est la différence en français?
c'est-à-dire que KPO est créé au faux compte et par Radio Dagolo français benanata nagandal et puis il est créé un faux compte qui doit par Windigo les français et comme Djanga oh non rectification oh création oh Coran n'a qu'au créa oh re ko l'ange Jibril inventé duma deftere nani hala. Donc en bref, je ne vais même pas m'occuper de toi. Va chercher tes diplômes là, bac là qu'on vend à Makaneraka qui est là-bas. L'homme qui n'a aucune dignité même, un perdu de la politique guinéenne, une honte. Makanera était une honte pour ce pays là, une honte. C'est pour cela que je l'ai qualifié chien politicien. Makanera Kake est un chien politicien qui fuit dans toutes les poubelles quand il a faim. Aucune dignité humaine. C'est pour cela que les Kouyaté, là, eux, ils sont des compléments d'effectifs de la politique guinéenne. Donc, bref, on va laisser tomber ça. Donc, quand on disait ici Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, là, la question ici, là, ce n'est pas une question de vous dire. Nous sommes des patriotes. Modibo Keïta n'a jamais été comme ça. Modibo Keïta, Thomas Sankara, c'est des gens qui ont été des hommes de parole. Ils n'ont jamais trahi leur parole. Ils n'ont jamais trahi leur serment. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je remercie Assimi Goïta parce qu'il a vu le danger qui va venir lui toucher dans 2 mois. Mialtido, je vous ai averti, je vous ai alerté ici, là. Je vous ai alerté. Mais Assimi Goïta a compris que les réseaux sociaux là, ça parle. Merci infiniment, président Assimi Goïta. Merci infiniment, le président Assimi Goïta, d'avoir réfléchi d'abord, avant tout d'abord, sur le Mali. Je vous donne un exemple. Les Maliens qui sont à l'étranger là, les Burkinabés qui sont à l'étranger là, comme ils ont dit qu'ils ont fabriqué. Que bientôt qu'ils vont fabriquer des passeports qui seront valables pour les 3 pays, la Niger, Mali et Burkina là. Ok. Vous avez créé les passeports là, inventé les passeports là. Il n'y a pas de problème. Maintenant, selon la communauté internationale, ça ne fait pas rentrer dans les règles de la convention internationale. Vous avez vu les passeports européens ici, c'est qui dit, c'est écrit. Passeport. Et puis, qu'est-ce qui est écrit en bas ou en haut? Communauté européenne ou l'Union européenne. Donc, le passeport de la CEDEAO, là, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Communauté de quoi? De l'Afrique de l'Ouest, là. En anglais, là, ils ont dit Commonwealth. On vous a dit. Vous ne pouvez pas prendre une décision, là. Ce n'est pas parce qu'on déteste Assimi Goïta ou Ibrahim. Non. Mais quand tu parles ça, là, il y a des analphabètes qui ne comprennent rien. Ils vont venir sauter ici. Ouais. On ne veut pas la France, on ne veut pas comme ça. Et tout ça, et pourtant, commencez surtout Assimi Goïta, toutes les personnes là qui ont fait les coups d'État là. Parmi eux, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un parent en France ici là. Parmi eux, commencez sur Assimi Goïta là. Assimi Goïta ne peut pas me dire qu'il n'a pas un membre de sa famille direct le sang, qui vit en France. Ibrahim Traoré, la même chose. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils sont sortis ici, on va sortir dans le franc CFA. Et jusqu'à présent, le franc CFA qui est utilisé au Mali, là, Burkina, Niger, là, ça vient encore de la France. Donc, vous avez compris, ici la question, il n'est pas de dire que Assimi Goïta est un révolutionnaire, Ibrahim Traoré, Tiani, là. Non, la question n'est pas là-bas. Là, nous sommes en train de parler sur le plan de la juridiction nationale et internationale, sur la convention et les règles de la diplomatie internationale, de la convention de Vienne. Écoutez très bien le français. L'émotion hépatique là, que les gens, là, les petits analphabètes africains, là, on joue, c'est-à-dire, on utilise leur cerveau là, pour l'émotion de l'hépatie mentale. Là. Ils sont contents comme ça, des abrutis, des aveugles qui n'ont jamais été à l'école. Vous pensez que pour diriger un pays, c'est pour diriger une famille? Non. Voilà Doumbouya qui ne dort pas. Comme Doumbouya pensait qu'il était trop intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Assimi Goïta fait comme ça, il est derrière, il fait comme ça. J'ai dit Doumbouya, tu vas mourir dans ton film hindou là.
Film Ndoula Doumbouya, vous allez tourner, tu vas mourir dans film Ndoula. Donc, coup de tonnerre, Assimi Goïta a fait la déclaration là, au Conseil des ministres, Hekitianki, et mercredi. Assimi Goïta, il y a des titres au foot du Wolo Golcom. Djente Assimi Goïta a déclaré yes au faux Kadi. Oini Kadi, nouvelle confiance. Oui, qu'on faut dire non. Parce que Mihalani non, aujourd'hui au Mali là, hande Mali, hay goto fala ka igola Assimi Goïta. 85% de la population faut ini ko feno. Assimi Goïta non andi Mali na la Guinée. Les Maliens, c'est des gens qui ont connu la révolution depuis au temps de Modibo Keïta. Si vous voyez aujourd'hui qu'ils parlent qu'ils vont sortir de la CEDEAO, ils vont sortir de France CFA, ils vont créer leur passeport. Regardez d'abord, ils sont bloqués d'abord côté des passeports. Ils ont fait la propagande ici, oh, on va changer le franc CFA. Ils ont fait des demandes pour rentrer dans les BRICS. Pour rentrer dans les BRICS. Vous avez entendu ce qu'on les a dit? Nous, et comptez sur Poutine, hein? Voilà qui les a mis aussi à leur place pour dire qu'ils ne sont pas légitimes. Mais est-ce que vous avez vu les trois pays-là, les membres des trois pays-là sortis sur les réseaux sociaux ou dans les médias maliens ou Burkina, Niger-là pour parler de ça? Non, c'est une honte. Mais attendez, il y a des intellectuels au Burkina, il y a des grands juristes au Burkina, il y a des intellectuels patriotes au Mali, il y a des grands juristes maliens qui vivent au Mali, qui ont étudié à l'étranger, qui sont aujourd'hui même au Mali, même qui sont en train de travailler dans leur pays d'origine. Ne vous moquez pas de ces intellectuels, quand même. Le coup d'État n'est pas légitime. Le coup d'État est interdit. Ça, c'est une convention même des Nations Unies, même de la charte de la bonne gouvernance de la CEDEAO. Pourquoi la charte de la CEDEAO, son article 23, là, pourquoi ça a été inventé? C'est quand quelqu'un vient montrer ses muscles-là, faire un coup d'État, là, monter au pouvoir-là. C'est l'article 23 qu'on demande de l'appliquer contre la personne pour le déloger. C'est ça, c'est tout. Mais je remercie beaucoup aussi Assimi Goïta. Vous savez, quand quelqu'un est mûr, là, quand quelqu'un s'assoit, tu fais des promesses que tu ne respectes pas. Tu as perdu la dignité. Assimi Goïta, il a réfléchi. Je vous ai dit, si les gens là se sont organisés là pour assassiner le colonel Kadhafi, là, vous êtes qui? Vous pensez que vous êtes fort? Vous me faisiez tout le temps rire. Hein? Vous jouez avec le feu, vous me faisiez tout le temps rire. Quelqu'un, quand tu vois ton ennemi là, quand tu vois ton ennemi qui veut te tuer là, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas de possibilités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer ton intelligence pour éviter ton assassinat. Il faut jouer ton intelligence. Je vous donne un exemple là. Il n'y a pas un président au monde qui a raté plus de 270 coups d'État l'assassinat ou 245 assassinats plus que Fidel Castro, le feu Fidel Castro. Quand Hugo Chavez, l'ancien président de Venezuela, Hugo Chavez, quand il faisait le bruit là avec les, il était révolutionnaire international, il aimait la patria, il parlait là. Quand il est arrivé en Cuba, Fidel Castro lui a dit, tu parles trop, il faut éviter d'aller aux États-Unis. Fidel Castro, il m'a évité d'aller aux États-Unis. Oye, Nations Unies, yes, a donné l'info, oye, ni George Bush Kassal. Comment vous organisez le war? Comment vous avez dit? Ça a été à Amérique du Sud, à Yari Amérique. Aye ni président américain hier soir dans l'info. Aye ni moi jeudi casser le jeudi ma code info no ouji gijan. Ben ni behold là. Quand tu veux, na soye américain na hotel Jovanta. Na hotel Jovanta. Quand nous bevada ni Hugo Chavez. Ka climatiseur qui bégetti. Bevada ni mo polonium. Polonium 5. Chundi ni bevadi ka climji. On a te wale hotel yi. Musiku de wale ke hotel gijan. C'est fini, bewa di mo kan cancer direct. Ben djope den fo nangi cancer fop. O dogido beni mo solution ala. Solution ala. Yo andi o écrivain yo KGB dogno do Angleterre Russie ya refugee Angleterre. Ato windi livre.
Yaltingol secret KGB on fo. On yi no Putin déplace no himbe benen. Il go Russie. Beri Italie do. Italien go lo no ka service de renseignement Italie do. No tawano ha yagol do taben. Be de invite mo ka bar. Angleterre. Be ya be jodi be yarite. Be wadani mo kanderte. Be fe iri sari Putin imini himbe. Beri ha Italie do. Servi de renseignement italien be benati mo. Ko dum be nata do Digos. Italie do ko Digos be nata le Digos. Service de renseignement italien, on les appelle ici les Digos. On a été quand membre Digos de Goto. Mais il y a un homme qui est en Angleterre. Il a invité un journaliste de Weimar de Wada à interview. Un ancien collaborateur de KGB. Au Windy livre Weimar de Yaltina. On y a un homme qui est en secondes. On y a un homme qui est direct homme qui est hôpital. On y a ko wali no kadanki ko sukundu no no yurani ko ni o mayri donc c'est ça ben fosi no waawarede africain vous n'avez pas la capacité et possibilité de faire face quand on dit la France et l'Union européenne mais c'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre quand je suis sorti ici dans mes directs j'ai dit Assimi Goïta mener une révolution c'est très très facile mais soyez intelligent et prudent organise les élections qui quittent le pouvoir. Shogel Maïga, il travaille avec vous. Laissez-lui qu'il crée son parti politique là, ou d'autres personnes là. Et ils vont passer. Donc là-bas, le pouvoir devient légitime. Et vous allez rentrer dans votre équipe encore, dans les mêmes équipes encore. Vous allez rentrer encore dans la politique, c'est-à-dire dans les postes, c'est-à-dire dans le gouvernement de Shogel Maïga ou une autre personne. Et vous allez continuer le combat de la révolution. Utilisez votre tête là. Vous ne pouvez pas vous arrêter contre l'Europe. Quand j'ai dit la France et l'Europe, parce que tout ce qui... Après l'Allemagne est la première puissance économique de l'Union européenne. Après, c'est la France ici. Parce que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne. Après, troisième pour moi, là, peut-être c'est l'Italie. Après ça, là, les autres pays là. N'oubliez pas ça. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Donc, si vous voyez que les gens là... On sort ici, on donnait les conseils à Assimi Goïta. Je suis très très content de la déclaration d'Assimi Goïta. Vous avez vu, dès qu'il est sorti au Yaltido mercredi, il a dit déclaration. Assimi Goïta est né. Oh, moi, je suis là, tu as tout le monde. Pas toi, Mali, wawa la Guinée. La Guinée, on a figé tout et bandit. C'est-à-dire, il a la dignité. Ara y soda hay dignité ma bien. Wana makanera kake. Il veut dire la Guinée, ils sont pleins en Guinée. Ils sont pleins en Guinée. On va même écouter une vidéo de ce voyou de Macanera là. Ça n'a même pas d'importance. Et quelqu'un qui vient justifier le Coran avec la politique. Que Dieu a dit ça. Depuis que le Coran était... Nous on a connu le Coran là. On n'a jamais modifié, c'est-à-dire une seule lettre dans le Coran là. Jamais. C'est la première fois que je vois un invidi, un drogué intellectuel. Makanera Kaki est un drogué intellectuel. Il a pris la drogue intellectuelle. Il vient s'asseoir pour faire des conneries, parler des conneries. Mais vous êtes, il est champion pour ça. Hein. Il est champion pour ça. Je me demande même, quand il vient mentir comme ça, là, quand il rentre le soir chez lui, là, pourquoi sa femme ne peut pas lui poser la question? Mon mari, pourquoi tu te comportes comme ça? Vous n'avez pas de femme qui peut vous donner des conseils? Quel est le rôle d'une bonne femme? Quand son mari se comporte mal, il dit, il faut faire attention. Ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord. C'est pas comme ça. Tu viens confondre la vitesse et la précipitation. Tu parles du Coran, tu parles de politique. Non, Makanera, tu es fort. Si quelqu'un vous dit ici là, que Alpha Condé, on va soutenir Alpha Condé, pour faire un troisième mandat là, si les Guinéens, il y a un Guinéen qui est courageux ici, qui peut se sacrifier sous le bloc Alpha Condé, Makanera a dit qu'il sera le premier. Quelqu'un qui Alpha Condé avait nommé ministre. Ministre. Donc, Assimi Goïta maintenant, depuis qu'il est sorti, on attend candidat. Il dit, on a ta candidat, on a ta candidat. On est nouveau premier ministre, on est nouveau, on est nouveau, on est nouveau, on est nouveau, on est
Bendara nécessité ko watte kon élection organisée l'année. Mais ala non, c'est Berti qui a dit le moteur a commencé à zéro. Le moteur de la CDAO là. Ils ont démarré encore le moteur. Minunondo, la semaine passée avec Yoni, ben deux mois organisé l'élection. Asmi Goïta no Yodike. Iban di malien be ben Yoni. Gil Asmi Goïta l'ami do, kodou bigeluni. Le mandat d'Assimi Goïta de la transition, c'était fini depuis le mois de mars. Vous avez vu même les magistrats de Mali là, ils avaient même écrit, ils ont fait des communiqués tout. Assimi Goïta, je ne sais pas qui est parti lui donner les conseils là. Il commence à braquer les journalistes, il commence à arrêter les politiciens, il commence à s'attaquer aux journalistes, les gens de la société civile. C'est des choses là, ça c'est pas, vous n'êtes pas venu pour ça Assimi Goïta. Je suis désolé de vous dire ça là, monsieur Assimi Goïta. Vous n'êtes pas des politiciens. Vous n'êtes pas des politiciens. Non. On ne peut pas faire décret pour faire devenir un décret à la place d'un mandat. Non. La souveraineté nationale appartient au peuple. Ici, les gens sont sortis, ils ont détesté Donald Trump. Mais quand les Américains ont dit on ne veut plus de Joe Biden là, les Américains même ont choisi Donald Trump. Même les Noirs. Les Noirs, cette fois-ci, ont voté même, beaucoup même aux États-Unis, pour Donald Trump. Mais l'émission là, ils ne vont jamais vous montrer ça en Europe ici dans les médias. Je voyais les médias là, sur le terrain là, quand il y a un monsieur qui partait, un Américain noir, qui demandait les Américains, j'ai vu un reportage là, où beaucoup de Noirs américains disaient, depuis qu'ils sont nés aux États-Unis, la seule personne qui a pris 5 000 $, 10 000 $, 15 000 $, les données gratuites là, il dit c'est sauf Donald Trump. Cette fois-ci là, ils vont voter pour lui. Vous pensez que les gens sont bêtes? Les médias du monde entier, ils ont tout fait. Parler mal de Donald Trump. Donald Trump n'aime pas les Noirs. Donald Trump est comme ça. Donald Trump est comme ça. Mais Donald Trump is the best president in the world. Donald Trump. The best on the best president in the world. America first. C'est ça. Vous quittez chez les gens. Vous allez partir vous occuper de la politique des gens. Et puis, ce qui me fait rire même, quand je vois même l'Union européenne dire qu'ils vont débloquer des milliards là pour aller aider les Africains, c'est-à-dire les mots là me fait tellement mal, ça me fait tellement rire. Vous savez, il y a combien de pauvres en Europe aujourd'hui? Il y a combien des Européens qui n'ont pas de maison? Même les étudiants à l'heure actuelle en France là, regardez où les étudiants vont, à la Caritas pour manger. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. À Lyon même, il y a de ces étudiants même qui sautent sous les murs pour aller fouiller dans les poubelles la nourriture à 2 h du matin. Ça, c'est la France. Hein. Vous allez laisser vos citoyens européens en train de souffrir. Vous allez partir aider les Africains. Depuis quand un pauvre peut aider un pauvre? Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont profiter de ça. Les Assimi Goïta, les Tiani, les Ibrahim Traoré, là, leur beau discours là, pour se maintenir au pouvoir, ça ne peut pas marcher. Ici, c'est une question de la légitimité intellectuelle. Cette convention-là est valable pour tout. Emmanuel Macron est sorti, il dit qu'il félicite beaucoup les Américains. Ça, c'est la déclaration d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a dit devant le monde entier. Il dit les Américains ont décidé de choisir leur président. Dans la démocratie. C'est ça, il dit qu'il les félicite beaucoup. Ils ont choisi Donald Trump et Donald Trump est devenu président de tous les Américains. Et ça, c'était la déclaration d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est ça, il a dit c'est la démocratie. Donc, on ne peut pas prendre les armes, on vient tuer les gens, on traumatise la population, on vient dire par la force, on doit rester au pouvoir. Ici, c'est une question de la légitimité. Mais, comme Assimi Goïta a compris là, depuis qu'il est sorti, il a fait conseil de ministre là, Doumbouya ne dort plus tranquille. Vous avez vu son visage, il est désespéré mentalement. Vous pouvez soutenir Doumbouya. Doumbouya qui est venu tuer plus de 200 et quelques morts le 5 septembre. Doumbouya a menti au Guinée. Il dit qu'Alpha Condé ne respectait pas les institutions. Alpha Condé a violé l'article 27. Et comme ça, Alpha Condé ne devrait pas faire un troisième mandat. Vous avez entendu les beaux discours de ce farfelu, de ce psychopathe criminel là. Vous avez entendu ça? Mamadi Doumbouya, vous avez entendu ça aussi? Avec Alain Foucault. Je pense que
Je vais répéter encore pour une dernière fois. Nous, les militaires, c'est la parole. Vous avez entendu ça? Nous, on a les vidéos de témoignages. Les copies qu'il a signées aussi avec la CEDEAO. Nous, on n'est pas pressés. Je vous ai dit que Doumbouya ne peut pas dire qu'il est candidat. Vous avez vu comment ils sont en train de tourner la transition. Ils disent qu'aujourd'hui, maintenant, c'est la refondation. Posez la question à Mara. La définition de la refondation, c'est quoi? Demandez à Mara. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, nous ne sommes plus dans la transition. Nous sommes maintenant dans la refondation. Parce que cette transition-là va finir le 31 décembre 2024. Là. Donc là-bas, cela veut dire, Amara était clair, que Mamadi Doumbouya ne peut pas dire avec la transition-là qu'il sera candidat. Écoutez bien le français, écoutez bien les délinquants-là. Ils ont tellement, c'est des tellement grands fabricants de mots dans la langue française-là. Quand ils fabriquent les mots-là, pour tromper les gens, hey, Amara, Makanera Kake qui parle de diplôme là. Amara n'a qu'à présenter son diplôme. Amara n'a qu'à présenter. Dites à Amara de présenter son diplôme à Makanera. Mamadi Doumbouya n'a qu'à présenter son diplôme à Makanera. Idi Amin, comment il s'appelle? Bala Samoura n'a qu'à présenter son diplôme. Depuis que Doumbouya est venu là, il y a combien de falsifications de diplômes faux, de faux diplômes des diaspora qui dormaient dans les RSA en Europe ici, là. Ils sont tous rentrés en Guinée. Ils ont préfabriqué des diplômes qui n'existent même pas. L'autre, là, même, il dit qu'il a étudié au Canada. Quand il tape l'adresse de l'université, là, tu vois que c'est au Japon. Ça dit, les gens, là, sont malades. Quand il tape le nom de l'université, là, il dit, l'université, là, se trouve au Canada. Mais tu vas voir que c'est jusqu'à Tokyo, là-bas, au Japon. Vous allez venir parler de quoi? On parle de la corruption. 115 millions de dollars détournés à la douane par 17 malinqués. 17 malinqués qui se sont associés pour se partager 115 millions de dollars. Quand je vais dire ça tout cela, ils vont dire, oh, lui, il est raciste. Moi, je m'en fous. Qualifiez-moi de ce que vous voulez. Ça me lance au pôle Nord. Qualifiez-moi de ce que vous voulez là. Ça me lance au pôle Nord. Tu vas dire ça là, ils sont 17 malinqués qui ont détourné à la douane. 17 malinqués. Il n'y a pas un sous-sous dedans. Il n'y a pas un peu dedans. Il n'y a pas un forestier dedans. 17 malinqués qui se sont regroupés pour détourner 115 millions de dollars. Équivalent de 115 millions de dollars à la douane. Et les gens là sont-ils prêts? Les gens là ont le droit de juger quelqu'un en Guinée pour une corruption? Ils ont bâti le record de la corruption. Hein? Ils ont bâti le record même. Hein? Un gouvernement bidon. Hein? Un gouvernement de la pornographie mentale. Ils sont tous devenus des pornotologues. Un gouvernement de pornotologues en République de Guinée. Ils sont tous des pornotologues là-bas. Tous des menteurs, des malades mentales. Vous pouvez venir prendre un pays en otage comme ça, et puis vous allez utiliser affaire d'ethnie là. Vous voulez regarder la déclaration de Dansa, comment il s'appelle là, Ouyasandako, Idi Amin et Bala Samoura. Regardez comment les gens la parlent. Il faut pas que c'est l'accès au pouvoir. Et puis, ils se cachent même pas. Hein. Tellement que les gens vous détestent, vous allez partir vous asseoir, parler. On vous enregistre en même temps. On donne ça aux gens sur les réseaux sociaux. Mais il y a des gens qui ont des réunions, qui ont des infos, qui ont des réunions, qui ont des réunions, qui ont des réunions. Bala Samoura, Ouyasanda, et Idi Amin, il y a des gens. Les gens ont des gens qui ont des réunions, qui ont des réunions, qui ont des réunions, qui ont des réunions, full bébé. Full bébé, il y a des réunions de mentalité. Et non, il y a full bébé, il y a des réunions, il y a des réunions. On a des femmes politiques, c'est là. Des fois, il y a des gens qui ont des réseaux sociaux, ou la pigi, il y a des femmes politiques, Ou opposant, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Moi, je suis Idriss Déby, je suis des gens qui ont des gens. Je suis des gens qui ont des gens. Enquête d'audit. On n'a ni enquête d'audit et filou. Jamais de la vie. On n'a ni enquête d'audit et filou. Et il y a des filles qui ont fait des choses. En rentrant aux communautés internationales,
Fure no itamone. Fure no itamone. Ono yalto be don famata politi. Selu dale na tu lagine. Selu dale ko lagine hendo to lamu. Alpha Condé ko honde na ki lagine. Alpha Condé yetu de 1958 ka ha ko honde na tu no lagine. Alpha Condé lansana fe general lansana Conte. Ko hondu wondu no be. Selection no duma na de Alpha Condé doga 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 na ta lagine. Selection lani so perdi hota ka di France ka. Don't know I got a la. Et puis, quand nous avons un conseil de l'entour, nous avons un conseil. C'est ça la même qui me choque. Si nous avons un conseil de l'entour, nous avons un conseil de l'entour. Mais nous avons un conseil de l'entour. Si nous avons un conseil de l'entour, l'andé, nous avons un conseil de l'entour. Nous avons un état de congrès qui m'a dit, qui parti politique m'a fait. Femme politique, nous avons un conseil de l'entour, nous avons un article de l'entour. Quand nous avons un conseil de politique m'a fait, nous avons un congrès. Fame ko woni arde kon warde mi hala ni min ko wutnde wotere mi toroto Allah yo ko presidential dane balle cella c'est tout giallo tele ala ko wadano do yonato lagine tawnato lagine no min secteure no hidila secteure ko kota porto be ben yalti nangi giallo tele be wulli benita natu fi Allah. France no tawa o complot fi wargol mo parce que ya l'hôtel ko révolutionnaire yo intellectuel panafricain yo hari ya ko ya l'hôtel wono nations unies dun no tampino français ben no tampino himbe buy secteur renommé mo ministre de la justice gila ya l'hôtel no ma lagine ministre de la justice est-ce que ya l'hôtel yaltini loi goto nani bo organisation be wari ya l'hôtel ha ndene lenyol fulbe e hebi mardo la lagine gandal wono ya l'hôtel. Voilà, c'est là, combo mariganda. Si vous avez un heavy adendo, vous avez un wano ba mamadu Banque Mondiale. Un heavy sifa mako kadi. Allah iti ba mamadu Banque Mondiale. Adanien kadi sifa selu dale wano ba mamadu Banque Mondiale. Se perdi do kadi selu dale. Ko dubi jilu waten ene, lenyo fulbe, hebu wot sifa selu. Ba ino wano famata politik. O problem do fo, ko bati, manika bembe la liderande kadi lagine. Soso ben ala leader hande kadi lagine. Forese ben be ala hande kadi leader jot. Wawto darangol be yeso man ko. Be ala hande kadi lagine. Lenyol mango leader fendo do lagine fou. Ko lenyol fulbe IFDG. Lani. Y'a pas de parti politique en Guinée. C'est fini ça. C'est l'IFDG seulement. Do wola do RPG Rancassiel. Oui. Sidia Touré. Oui. Mais sur le terrain c'est pas ça. Sur le plan national et international, l'IFDG, il n'y a pas un parti politique en Guinée là, qui peut dépasser l'IFDG. Le président Selou Dalin, il a fait tout au préparé que il a implanté l'IFDG bien. Maintenant, pour laisser maintenant à Tchangolon battre Himbe Aroyobe et l'IFDG, Selou Dalin préparé il le faut. Mais on a talé avec Alamo. Selou Dalin, il y en a tout la Guinée. Honu selu dale nata tawar gol lagine fondo date election madaka mamadi dumbuya no huli ndugol ko kandida himotara de wanyari rusi foti ndoru kaburure motaro taro tu kulingi notarade asimi goitari joni mercredi ini conseil de ministre woy be organise nouveau premier ministre on odimo woy on odo politicien be menfo yo lando moy nécessaire ko wate kon fi election. Il organise mal et libre et transparent. Henya. Mihala Nion, c'est Asmi Goïta. Ibrahim Traoré, c'est Bakita Lelam. Koi Asmi Goïta, t'as oublié à Toto Warwol. Mare non, au vidéo en Kadi. Souvenir. C'est Asmi Goïta, Forcido. Et m'a dit que transition Asmi Goïta en Lanino. C'est fini depuis le mois de mars. C'est fini depuis le mois de mars. Transition Assimi Goïta. Depuis le mois de mars là, 2024, Assimi Goïta n'est plus légitime au pouvoir, non? La Cour constitutionnelle, la Cour suprême de Mali, il y a une décision. Il y a signé Kadi, il y a une Cour suprême copie qui dit faux. Donc Assimi Goïta, on a dit dans le confort, au birbi, au biribiri, birdi birdi. Donc, si vous avez un mandat, vous avez un mandat. Et vous avez un mandat, vous renouvelez le mandat, renouvelez le mandat. Renouvelez le mandat. Jamais de la vie. Donc, Mamadi Doumbouya Gilo Ido et mercredi Assimi Goïta Yalti Oni. On a un itao. Il est tombé malade au foot de Gétougol paracétamol. Aïe taltao paracétamol. Là, il n'y a marido le quoi gorko. Nous, on ne parle pas.
Nous, tu as signé des documents devant le monde entier. Tu as prêté serment. Yo, maintenant, ce n'est pas la transition, c'est la refondation. Amara, même, je ne sais même pas c'est dans quel dictionnaire même. C'est dans quel dictionnaire même qu'Amara va aller fouiller les mots là. Ils ont tellement de gros mots pour tromper les gens. Et puis ils parlent, on dirait la Guinée c'est pour son papa et Amara. Regardez comment ils parlent, très mal poli le Amara, très arrogant. Il parle, il fait comme ça là, comme si la Guinée était devenue une maison privée, c'est-à-dire de son papa même, que la Guinée appartient à leur papa même. Amara nous parle, il fait comme ça, il menace les gens. Mais petit Amara, bon fils Amara, bolé, vous allez tous vous retrouver en prison de un jour là. Ce que vous avez fait aux dadis et aux autres là. Pour vous là, parce que vous avez tellement détourné de l'argent en Guinée, vous avez tellement détruit le pays là. Depuis que le CNRD est venu, trois ans et quelques, regardez l'argent qu'ils ont détourné en Guinée, ça dépasse 3 milliards 700 et quelques millions de dollars. C'est pour cela que la Banque mondiale a dit qu'on ne va pas vous donner de l'argent. La FMI a dit qu'il refuse. Et il dit que Mamadi ne dort pas. Mamadi ne dort pas, il faut venir couper encore le salaire des fonctionnaires. Tu vas couper ça à la fin, tu vas payer les fonctionnaires là, comment? Tu vas payer les militaires là, comment? On vous dit que les gens là, ils font de mamaya. Tout l'argent qu'ils sont en train de partager aux gens, 85%, tout l'argent là, ce sont des faux billets. Demandez les gens. Kumburi ko bone wadir de campagne ni sendita akune mabbe foko phobie 85% fo imburi foko phobie ya elando na information phobie no circule de la Guinée ni ande ay sans limite phobie de phobie tu vas avoir même un billet là ça dit tu regardes le billet là un billet de 20 000 ou quoi là tu vas retrouver ça jusqu'à 20 millions comme ça dans ta main les mêmes séries de billets de numéro de l'argent. Vous avez vu l'insécurité qui règne en Guinée aujourd'hui là. La semaine passée, ils sont partis attaquer la domicile de l'autre là. Le fils de l'autre là, comment il s'appelle? Le feu général Kelfa la Camara, lançant l'eau dans l'eau. Ils sont partis chez lui, caboulés. Ça aussi, c'est des forces spéciales maintenant qui sont en train de faire des opérations. C'est devenu un système. Colombie. La Guinée est dirigée aujourd'hui comme un État même, comme un quartier même de Colombie là-bas. Ils sont partis chez l'eau, Lansana Camara là-bas. La nuit de jeudi passé là, hein, caboulé, moins 5 qui l'ont pas même assassiné même. Moins 5. Ils sont partis aussi. Dans le quartier maintenant, quand on dit que tu es ici là, tu as l'argent là, c'est les mêmes forces spéciales là. Qu'ils ont formé là, qu'ils ont rejeté encore, c'est les mêmes là encore, qui sont en train de débarquer, c'est les gens aujourd'hui là, caboulés. Hein? Prendre les gens, kidnapper, prendre les gens en otage, prendre tout leur argent, tout leur bien. Ils sont allés l'agresser à la maison là-bas. Moins cinq, il n'a pas été assassiné même. On voulait même tuer même son enfant qui n'a même pas 6 mois, 8 mois d'abord. Vous avez vu où on vit aujourd'hui avec le CNRD? L'insécurité totale. Total. Ils sont venus se cabouler avec des voitures, des pick-up. Ils ont ramassé tout ce qui était dans sa maison. Télévision, chaussures, frigidaire. C'est le système maintenant là. Quand nous avons un homme qui est mais là, nous avons décembre. On a un homme qui est fou. Il est là. Mais on vient taki. On vient taki comme il est là. Il est un grand commerçant pour le cas de Nangado. Il est là. Mihala nono mini doy décembre ive la Guinée akia dugol marchandise la Guinée bala samoura amara e idiamine be jori ke be wadi renio joni ko nangugol fulbe ben nanga on akizan mi joni on exemple o pour le darno de galé tako ka kuyati mini be jori ke be wadi renio kala pullo men nam mo menangi wo be ya be tenio be tidi na on million de dollars fi on heto. On y a dit qu'on fait Imarie Mberen, qu'on est au balle. Délégation, il t'a qu'on a écrit CNRD. N'a pas un maïen d'air Mali Mberen. Mais il y a Imam Onodi, mais ben fou. Imam Onodi, Fodo, Wodo, que délégation, il qu'on a écrit, Mamadi Doumbouya, n'a donné une délégation d'air Mali Mberen.
e nodi himbe jama on foka jami imam yo o ni awado en foko en joro do e ko fi sutenugol CNRD ka hay goto jabaki aden goto une seule personne qui a répondu yo andi gila 1958 ned histoire malien bere premier opposant contre le feu Ahmed Sékou Touré là ko endel malien bere iuno kambe bala ngal na fi giaga ngal birdi birdi himbe malien bere ben no l'imam manda hondo soirée là kanko no dimbe ben eni wo ko sitonigol manda ko kerno majo inete no yi délégation CNRD no adi délégation ender malien bere wo ko sitonigol momadi dumbuya kay yeso fo imam yo ini do wawa onani do koni ni do info en sitane momadi dumbuya hay goto aden goto tun tawni jingo eni wi ko lutti kon fulbe ben fo jodi fanki fap jodi fanki lande ko fegi malien bere on de balle do ko telmi le kadi campagne Mamadi Doumbouya sendi tambudi mama ya gilano asmi goita ni mo wonata candidat ni lui ni imam de son gouvernement là ils vont organiser les élections libres transparents et équitables aussi hey. Mamadi Doumbouya il a compris que le 31 décembre encore c'est devenu un problème pour lui vous n'avez rien vu encore vous n'avez rien vu challa gabi mare mandi tolam video jini Nami savant, je ne suis pas un savant, mais Maré m'a dit ton vidéo en handekadi marron souvenir. Si Allah Djabi, si Allah Djabi, c'est Loudan va être président en Guinée. Haï, c'est quoi, même pour 48 heures, même pour un mois ou 6 mois, ou un an, c'est Lou sera président en Guinée. Si Allah, Mouanani on doit handé. Winde non kadi date ton handé Maré, yo Allah ou koren balle de tchella. C'est Lou sera président en République de Guinée, si plaît à Dieu, si Dieu le donne. Une longue vie et la santé. Et la santé, c'est tout. Vous allez voir. Vous allez voir. Faites tout ce que vous voulez là. T'es un décourageant. Hika, wakiloden. C'est lui, c'est Allah Djabi Hika. Si Allah on l'entend Djabi. C'est lui dans le monde président et République de Guinée. C'est Allah Djabi. Hika. Koudoun tout mitoroto Allah. Bal de kiel là. C'est tout. Mais fama la yfoui. Gila simi gouita yalti doini wona au candidat. Nouveau premier ministre, gouvernement, yo notre leader ben fobe jodo. Be dapa pigi nécessaire d'un fobe organiser élection libre et transparent. Gila simi goita wole do Mamadi Doumbouya, batinani do wapi o fatde. O getti paracetamol ha woronki, hakil kin o perdiki. Ko do yoto mo jodi en ndari no tagado woni. Kulli la bungi. Gonga presidential dal ko no dayno alfa ko le ngil kulli kulli ngi. Dari Mamadi Doumbouya, tu fais pitié, regarde ton visage, tu ne dors pas. Tu dors à casa, tu fuis, modoga so wali do hande jango wala no kuko. Ça c'est une vie ça. C'est une vie, tu pensais que c'était facile de venir tuer les gens, monter au pouvoir en tant qu'un délinquant expérimenté, assassiner les gens, venir mentir aux gens, devant les gens, prêter serment avec le Coran, nous créer des chartes privées qu'aucun Guinéen n'a assisté, et puis tu viens nous dire encore c'est toi qui est en train de faire campagne. Eh non, la Banque centrale est devenue pour la famille de Mamadi Doumbouya aujourd'hui. La Banque centrale de la République de Guinée est devenue une banque privée au nom de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire les gens là. Et puis, c'est au palais mon médecin que là-bas, ils gardent l'argent. Hein. L'argent là, le soir là, ils vont prendre tout l'argent qui rentre là, les recettes là. Chaque 22 heures là, 23 heures là, ils vont aller déposer tout ça là dans la chambre de Mamadi Doumbouya. Il y a trop de fouteurs dans ce pays-là. Donc, bref, comme ce que je voulais dire encore là, c'est-à-dire, je prépare le Dokari, Wadoubol Kassori Fofana, Premier ministre. Parce que, Mamadi Doumbouya, nous parlons de Wadoubol Baïdi Aribo, Premier ministre, mais il y a des discussions qui sont dites. Il y a des Baïdi Aribo, Marsata. Il y a un plan de Wadoubol Kassori Fofana et Kasso. Organisant d'ordre une nouvelle transition, ils vont formaliser cas de faux coup d'état et ils préparent le dernier. Mais demain, on va parler de ça. Alors, il y a bien formation et des faux sur. Mamadi Doumbouya nous formalise des coups d'état. Il dit à même qu'il nous fallait formaliser le coup d'état. Et nous voulons, il même nous fallait avoir des coups d'état. Il y a un détail, il faut. Mais, Mamadi Doumbouya,
On parle sur les réseaux sociaux, c'est Mamadi Doumbouya. On ne te déteste pas. Tu ne connais pas le Guinéen. J'étais tout le temps dit ça. Le Guinéen, tu peux manger avec lui. Tu lui donnes tout. Quand tu tournes le dos là, il prend le couteau pour te poignarder. Toi-même, tu as fait ça, Alpha Condé, non? On prend un exemple terre à terre. Toi-même, Alpha Condé, t'a donné tout, Mamadi Doumbouya. Tu as trahi Alpha Condé, non? Les Saliba Koulibaly, ils se sont mis à ta disposition. Vous avez trahi Alpha Condé, non? Qui a assassiné aussi Saliba Koulibaly, sans aucune enquête. Les Funké-Mangue portés disparus là, sans aucune enquête. Monsieur Célestin assassiné, sans aucune enquête. Vous avez vu? Et c'est que vous qui vous allez venir nous parler de la démocratie. Assimi Goïta, lui, il a compris vite fait. Vite fait. Vous avez entendu sa parole, la nouvelle confiance. Cela veut dire, Assimi Goïta, il a parlé le français. Quand il prononça le mot, la nouvelle confiance, là, c'est pour dire, je me suis trompé. Je vais respecter maintenant ma parole. C'est le français qu'Assimi Goïta a dit. Mais il a parlé le français. Mais il faut être un intellectuel surdoué ou un vrai, une personne qui connaît bien la politique. Quand Assimi Goïta a dit la nouvelle confiance, là, cela veut dire qu'il voulait tromper les Maliens. Il s'est retrouvé. C'est pas tard, hein? Assimi Goïta a parlé le français. Il dit la nouvelle confiance. Il confie tout le travail des élections maintenant au nouveau Premier ministre. De chercher les moyens nécessaires là d'organiser les élections libres et transparentes. Il dit, lui ne sera pas candidat, ni quelqu'un d'autre de son gouvernement. C'est fini, c'est tout ce qu'on voulait dire à Assimi Goïta. Mais comme il a compris, mashallah, on n'est pas contre Assimi Goïta, on n'est pas contre Ibrahim. Non. Arrêtez l'histoire de populisme là. Et les gens utilisaient les analphabètes là pour faire de propagande là. Ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, vous avez créé l'histoire de passeport là. Voici une décision de la communauté internationale qui est sortie. Toutes les personnes qui seront en possession de ces passeports-là, des trois pays-là, ils n'auront pas le droit de rentrer dans l'avion. Les gens là vont faire comment? Les Maliens qui sont en France, les Maliens qui sont partout dans le monde entier, les Burkinabés, les gens du Niger là, quand on vous dit que votre nouveau passeport-là n'est pas valable pour rentrer dans l'avion, vous allez faire comment? L'avion là, c'est pour Assimi Goïta. Ethiopian Airlines, quand ils vont faire la loi là, Ethiopian Airlines, la compagnie signe. Maroc, Tunisie, Algérie Airlines, TAP, Iberia, Air France, Éthiopie, Sénégal Airlines, Air Ivoire là. Déjà, eux-mêmes, ils ont commencé, même les Sénégalais ont commencé même à dire que le passeport là, celui qui a le passeport là ne peut plus rentrer au Sénégal. Diomaye Faye déjà, le gouvernement de Sonko a déjà dit. Pour vous dire que quand ils disaient la révolution là, vous avez vu, les Sénégalais ont déjà dit, toutes les personnes là qui auront le passeport là ne pourront pas rentrer au Sénégal. Maintenant, à plus forte raison maintenant, la communauté internationale, à partir de janvier, si vous n'avez pas un passeport de la communauté de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO là, ce n'est pas valable. Vous allez faire comment? Les Maliens qui sont ici là, qui sont en train de travailler en France là, et gagnent de l'argent, ils ont d'autres ont des familles en Europe ici, aux États-Unis, ils vont amener l'argent au Mali là. Vous pensez que les gens là ne veulent pas aller au Mali pendant les vacances? Ils vont attendre les passeports que vous avez signés entre vous là-bas. Sans aucune légitimité au pouvoir, c'est pas comme ça la révolution. C'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas décider de faire sortir le Mali, Burkina. C'est-à-dire que sans, quand je voyais même les gens, oui, Mali n'est plus dans CEDEAO. Assimi Goïta a signé, Tiani a signé, Ibrahim Traoré a signé. J'ai dit, l'alphabétisme, l'école est bon. L'école est bon. Assimi Goïta va signer Niger, Burkina. Ils sont sortis de la CEDEAO, ils sont sortis de l'Union africaine. C'est-à-dire, j'ai dit, arrêtez de rêver là. Non seulement ils ne sont pas légitimes, ils n'ont aucun droit, aucun droit, aucun droit de venir signer trois signatures pour prendre une décision pour 40 millions d'habitants ou 50 millions d'habitants. Mali fait 20 et quelques millions d'habitants. Niger, Burkina, là, je pense qu'ils vont arriver à 40 ou 50 millions ou 30 et quelques millions d'habitants. Il ne peut pas venir, trois personnes ne peuvent pas venir décider à la place de 40 millions d'habitants. C'est impossible. Mais il faut aller à l'école. Vraie école là, pas école de la route là. De la route là.
C'est facile de comprendre les choses. Vous ne pouvez pas venir prendre une décision pour 40 millions de personnes par signature. Quelqu'un n'a pas voté pour vous. Vous n'êtes pas légitime au pouvoir. C'est de ça. Maintenant, Dieu merci, si Assimi Gota a compris, je vous ai dit, vous allez faire la tête dure, dure, dure là. Poutine, 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 Poutine. Vous ne connaissez pas les Occidentaux. Même Poutine qui est là, là. Poutine n'est pas en Afrique pour l'intérêt des Africains. Enlevez ça dans votre tête. Poutine en Afrique, c'est parce qu'il veut l'or de l'Afrique, l'uranium, manganium, et c'est pas quoi, quoi là. Et le gaz africain. Le Mali aujourd'hui a réserve du gaz pendant 5 siècles presque. Ça finit pas l'or qui est au Mali là. Pourquoi Assimi Goïta ne peut pas dire alors que c'est lui qui peut gérer l'or du Mali là? Lui, il a compris le danger. Assimi Goïta a compris le danger. Il a compris le danger. Il a compris le danger, Assimi Goïta. C'est pour cela, quand il a compris ça là, il veut se retirer. Organise les élections, Assimi Goïta là. Tu laisses le pouvoir là. Tu vas aller te préparer maintenant, tu reviens. Mais tu ne peux pas promettre les Maliens la transition. Le mois de mars, tu devrais organiser les élections. Maintenant, encore, il faut prolonger. C'est pas un match de football où il y a 90 minutes, après on dit 20 minutes, 30 minutes de supplémentaire. Non, Assimi Goïta. Mais je suis très fier de toi, Assimi Goïta, aujourd'hui. Vraiment. Quand j'ai vu ça là, j'étais content. J'ai dit, ah, les messages qu'on fait passer sur les réseaux sociaux, finalement, Assimi Goïta, lui, il a compris le message. Je suis content, je suis fier de vous, de Assimi Goïta aujourd'hui. Parce que d'abord, il est en train de mettre l'intérêt malien d'abord devant d'abord. Comme ce que Donald Trump a dit, Donald Trump dit là, l'Amérique a fesse. C'est tout. Maintenant, vous les insultologues là, le gouvernement des insultologues là, vos blogueurs là, qui sortent pour insulter la maman des gens ici, parce qu'ils ne connaissent pas communiquer, ils n'ont pas de conviction, ils peuvent pas mentir. Ils ont menti jusqu'à les routes de 2000 km, on ne voit rien. Et pourtant, Conakry jusqu'à Abidjan, là, tout est goudronné, tout est bitumé. Hein. Et lui-même, le premier ministre, on l'a mis dans la voiture. Les gens se posaient la question, ah, c'est le premier ministre qui est dans cette voiture-là. Eh, hey, c'est Baouri, oui, c'est Baouri. Il n'a même pas honte. Baouri arrive en Éthiopie, là. Ndare, Baouri est en Éthiopie. Tellement que mignon Baouri, on l'a dit que c'est Baouri no Djangi. Baouri est en Éthiopie. Le drapeau malien de Wadani Baouri. Baouri anda est drapeau Guinée. Il ne connaît même pas notre drapeau là. Regardez. Moi je parle avec des preuves. Baouri arrive en Éthiopie là. On lui présente le drapeau malien. Et puis il regarde le drapeau malien là, il passe. Hein? Regardez les preuves. Parce qu'il n'a jamais vu un pays. Tellement qu'Éthiopie est devenu joli là, Baouri ne comprenait plus rien. On lui met le drapeau malien là. Il ne contrôle rien, il continue. Attendez, je vais vous montrer. Oyo tibe, voilà le drapeau malien. Voilà, il est. Il ne voit pas, Baouri ne voyait pas. Mojo Kitu, il continue seulement. Voilà les gens. Regardez, maman. Il veut faire ma coupe pour l'iPhone. Eh! Dare, maman dit Dumbuyado. Bati, Assimi Goïta, ni wo. Nao candidat. Dare, bandiru nuhani. Eh, bandi salte Dumbuya. Pora! Eh, regardez son visage. Depuis qu'Assimi Goïta a dit qu'il ne sera pas candidat, là, il va organiser les élections là. Regardez. Le bandit est devenu. Il a même des cheveux maintenant. Eh, hey, Dumbuya. Mon Dumbuya, il faut laisser l'affaire là. Ça ne peut pas marcher. Depuis qu'Assimi Goïta est on a un candidat. On va organiser l'élection. Assimi Goïta, on va faire la carte. On va faire la carte. On va faire l'élection. On a un candidat. On va faire la candidat. Ouh! Gila mama di Dumbuya na ni on conseil des ministres. Mama di Dumbuya quelqu'un sorti. Ko ba wori do mi woné da butu dani. Moya Ethiopie. Voilà, ina do dare do ba wori na. God do ina tala do na ba wori ni ka. O yi ba wori ni ko Ethiopie o yai. Okay. Ma en on joni. Dare do drapo hakune mo Allah. Vert, jaune, you know, vert, jaune, rouge.
na drapeau malien ko drapeau malien on be wadani do bawori hay wanda ndare do drapeau malien ils ont mis le drapeau malien pour bawori là vert jaune rouge ndare do il ne connaît même pas le drapeau guinéen il est parti en Éthiopie là-bas. Regardez, ça c'est le drapeau malien. Baouri en Éthiopie là, ils ont mis le drapeau malien. Baouri ne connaît même pas le drapeau guinéen même. C'est Baouri, hein? Tout le temps Baouri. Vous avez vu? Il n'a pas Baouri. Il a même peur de marcher sur les tapis. Il n'a jamais marché sur ça depuis qu'il est né. Baouri no gindu de katapi gimo huli. Me présente mon drapeau malien. On a un drapeau guinéen tellement qu'il me panique. On lui présente même le drapeau malien. Baouri ne connaît même pas le drapeau guinéen là. Tellement que les mensonges les a dépassés. Il est en train de. Et puis ils n'ont pas mis tapis rouge pour Baouri. Hein. Regardez le tapis qu'ils ont mis pour Baouri. N'a tapis rouge, mais voilà ni modé. Tellement que c'est des fainéants d'arrêt. Ils n'ont pas mis de tapis rouge pour Baouri. On a un tapis que voilà ni moko. Ko tapi moquette, ko wate kasalongi. Vous n'avez rien compris encore. Vous allez laisser le pouvoir là. Ce que de gyoda gole la mukoni, c'est facile. Donc, musibe guiné, ko dumi fala no wolangolo, partagez au vidéo kaner groupe il faut. Et nouvelle guiné no moti. Ono wambe no gol selo dale ya la guiné, on terta ton birdi birdi, on fama politique. Vous ne connaissez rien de la politique. Laissez le président selo dale. Ko fala do lamu hande o la gine o selu dale no fala lamu buri on fop. Pati mone ko be wadi selu dale ngon. Selu dale nkadi zita na le mone hare mone wara enkadi. Mone fi selu dale fi bi be fulbe ko tampina kon wara tampina. Si selu ima ki itani ayan o mone ene kadi mone wara enko lutikon. Donko dumi wone o langolo impossible ne pa français. Dio ken komba on. Nous sommes arrivés à la fin. Minio Mamadi Doumbouya, c'est un malhonnête. J'ai dit, ça fait des années et des années, Minio Mamadi Doumbouya va tromper tous les gens là. Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est comparé à Assimi Goïta. Si Assimi Goïta dit comme ça, Kanko Kadi, il fait comme ça. Ibrahim Traoré fait comme ça, lui aussi il fait comme ça. Mais là, le coup de tonnerre est tombé le mercredi passé là. Assimi Goïta a déclaré qu'il ne sera pas candidat, ni lui, ni personne, qu'il va organiser les élections libres et transparentes. Mamadi Doumbouya est tombé malade. Ça ne va pas. Mamadi Doumbouya est tombé malade, gravement malade. Il ne dort plus, normal. Regardez son visage. Il ne sait pas, il est dans panique totale. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Vous n'avez rien compris encore. Bande des ethnos que vous êtes. Vous pensez que la Guinée appartient seulement qu'au Malinké. Ang Bansane. Vous allez manger Ang Bansane. Des ignorants comme ça, là. Les ennemis de la République. Hein? Quand je vais vous dire que vous êtes des petits Osaro, vous êtes des petits Osaro. Allez-y chercher, fouillez les dictionnaires aussi. La définition du mot Osaro, des nullards comme ça, là, vous venez assassiner des gens, vous venez humilier Alpha Condé pour récupérer le pouvoir. Les beaux discours de 5 septembre, gavésie financière, les Guinéens ne se parlaient pas. Laissez tomber les délinquants comme ça, là. Maintenant, on vous a dit ici, là, les blogueurs, là, les communicants, Doumbouya sera président, Doumbouya sera candidat. Doumbouya, nous, mon nom, a fallu des candidats, là. École fan. Maintenant, yo, ce n'est pas la transition, maintenant, de la CDAO. Maintenant, c'est la refondation. Ils ont inventé un mot. Ils ont inventé des mots. Le faux coup d'État encore que vous êtes en train de préparer, là. Pour dire qu'il y a eu un nouveau coup d'État, vous allez recommencer le compteur à zéro. Hey, on a compris tout ça là. Drabar sa système. Le faux coup d'État que Doumbouya avait fait là, dans la forêt là, pour dire que les rebelles sont rentrés, il va arrêter beaucoup de militaires encore, il va assassiner encore beaucoup de militaires. On ne sait pas comment ça va finir. Si Idi Amin aussi va attraper Mamadi Doumbouya pour l'assassiner, le flumen doit arriver à la fin. En tout cas, d'ici le 15 décembre, tous les Guinéens n'ont qu'à se préparer. À partir d'aujourd'hui, d'ici le 15 décembre 2024, là, on va entendre beaucoup de choses. Ils sont encore en train d'organiser pour fermer les réseaux sociaux, là. J'ai même oublié de vous dire ça aux Guinéens. Ils préparent des fins d'or aussi.
pour interdire les réseaux sociaux là. À partir de fin du mois là, début décembre là, on en est cadido garay coupe pour les réseaux sociaux qui dit faux. Les blogueurs, les communicants qui sont à l'étranger là, fi harta men jonu information qui dit. Winde kadi comme wolé do kon, ils sont en train de se réorganiser encore pour bloquer l'internet en République de Guinée, pour bloquer la connexion. Donc c'est ça leur problème aujourd'hui. Ils sont en train d'étudier comment faire le cas là pour bloquer les réseaux, pour ne pas que les communicants et les blogueurs vont donner les news de ce qui se passe en temps réel. Donc portez-vous bien, partagez le live là dans tous les groupes. Hara en Django kadi, le combat continue. Tant on décourage fous joken selo daleika ha e jika kon yam ha kamir. Joke moha la neto. Oye kambe no be wone re wono woni ni. Si do mabe wono kura ni mo. Dare do. Dumbi alako wadali. Mani ka pen kanka ini falaka mo falaka mo. Me kai be ful be nafigi we bi nafigi we pulo e godo no jodi do. E ore fenande no wono jangi deftere no nyama do mbudi harambudi setane. Mani ka pen kanka ini falaka dumbu ya falaka mo. Imam jo ini Toronto ko mo Allah ko lagine Toronto Allah dumbuya be ni o be timo lenyol fullo si mamadi dumbuya na bana be sa ko maro tati be Toronto be jangana dumbuya yasin ha weta no lenyol fullo no hidi foi sadi hersingol hore mo bawo don lenyol fullo nani andirano si ko fewa be na data jungoto me joni ko jawdindi. Ça a dit 20 litres ne ban tiga. Sukar saku goto. Saku maro didi. Wata do 1,500,000 francs guinéens. Et sabune. Hara illa ni. Awa hala nemo. CNRD. Mene mobe ben. Men foy men joki benani. Yalla wadu beni. On toranto alla goto. Wardo himbe. Gija no ka jude mwako. On toranto alla jabo ko torade dum alla kon ko dun sikudo son fala on toranto mo alla nato ha der sudu al kaaba makka arabi saudi alla jabata ko toranto don dumbuya alla batte dumbuya ko yettudo deftere hudi o try deftere don o try ginen o wari himbe o iti wonki himbe han beno ono yo ini ko lenyol go burani lo lenyol mo mahentu mi ala no be fulbe morbe jawdi minni be wari be da mobe fuɗe yaltugol lagine de ɓe fuɗɗoto nangowol golol goto goto mo ɓe nangi o ɓe mutinay mo si ɓe mutinimo ɓe non yoɓu tel somme de l'argent son yoɓali ɓe wara mo ko ɗon fokkutude komi halanoɗo ɓe sunna e mbuɗi mon ɗi madina itte piiji mon ɗi madina are molanoki kadi ka awɗo ma en tun joni. Donc partage o video ka nder groupe ji fof. Donc ñande o ñande torare Allah ko honɗen wadde ko Allah no jabanade en seeɗa seeɗa on yasmi goyta e ni ɗo. Wonata kandida yo election organiza henya mali wonata kandida hay goto mabbe wonata kandida dun don kadi ko dun do fu ko torande Allah e duwao dun don kadi wonani mamadi dumbu ya naunare on yi foto ji makko di ko dun nauni ni mo goy fus nauni na mo sina dun gila asmi goy ta woli do mercredi o nauni sa asmi goy ta non akiti lamu mamadi dumbu ya ko hombo ko example moni jonno go asmi goy ta si huli tabe warumo fingu lamu mamadi dumbu ya sikia akitali gulamu onvo penanga u benanga mamadi dumbu ya benaba modewan e magistrala mabe wara mamadi dumbu ya wasamielo ni wonani ondu winde maro dumbu ya akitali gulamu be wara mamadi dumbu ya lagine wasamielo mawa no kadafi wari rano mane made to don ovi don mwande winde dato hande kadi telisarjo maro mo donc makiti on donc on se reprend demain. Ciao ciao, bonne nuit. Thank you.